C'est pour ça qu'il faut que j'écrive un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Je récapitule. Je prends les corps, puis les bois, puis les cordes en pizzicato, puis avec archet. Ça, personne ne l'a jamais entendu, parce que personne ne l'a jamais écrit. Ils vont adorer. Il me faut un orchestre avec 467 musiciens. Quatre octobasses. Et 30 pianos. Je suis bien. Tu dis toujours que je suis énervé, mais pas du tout. Que la vie est belle. Comme je suis heureux. Un cortège avance, au son d'une marche tantôt sombre et farouche, au pas grave, auquel succèdent les éclats les plus bruyants. Point. Excellente cette marche. On la garde. Mes mains trembleront certainement. Mes yeux chercheront de toutes parts une issue à cette fin tragique. Mais non, cette marche inexorable me mènera à l'échafaud. J'entends aussi une ronde macabre au violoncelle et contrebasse. Propagerait telle une rumeur au violon 2 et violon 1. Non, 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 non. Maintenant, je veux que la ronde du sabbat et le dies irae soient joués. Ensemble.